bonjour à tous et bienvenue sur Force the King, l'aventure redémarre avec Papa Albator et Weirdo, près des sources chaudes et moi dans le bateau. Bonjour messieurs, troisième épisode. Troisième épisode, ouais. Let's go. Et ouais. Let's go, on a fait du coup. Ah, il a disparu le petit dans l'eau là. Tu dis quoi? La bouée, il y avait une bouée ou un truc comme ah ça. Ah oui. Alors. Oh bah t'as de la chance toi. Ah non, on peut pas claquer la concentration là-dessus. Avant que tu fasses ça va quand même. Ouais, j'ai 11% de chance. Allez, vas-y. De rater. Vas-y, vas-y. Je suis curieux. 10 points de vie. 10 points de vie. Allez, moi je vais me mettre là, à la pointe du rat. Il va falloir qu'on aille dans la jungle. Et oui. Alors, bon, j'attends le ramassage. Hein, ouais, normalement je peux te prendre entièrement. Ouais. Attends, au cas où il est sur la route un truc. Après, si tu vas trop loin, est-ce que je peux te ramasser? Oui. Je suis pas sûr que tu puisses faire le ramassage comme ça. Bah ouais, moi non plus. Ah si. On va longer la côte, hein. Pour l'instant, il faut qu'on aille où? Là-bas. Oh! Que vois-je loin, un bateau? Navire cobble. Navire cobble de la jungle. On peut longer la côte pour explorer un petit peu après, hein, mais c'est vrai. Bah, en général, c'est le plus facile qu'on démarre et après ça devient de plus en plus dur. Ça changera du biome neige, je me souviens que c'était pas terrible, hein, on avait souffert. Je me sens comme Simbad le marin, j'ai envie d'explorer. Bah vas-y, fais-toi plaise. Ouais. C'est quoi? C'est un moustique de plaine! Ouais, c'est ça. Violent, t'as vu, il a bien exploré. Ah, lui, avec son rostre, il te ferait mal, hein. Mais c'est quoi tous ces moustiques? Il y a des moustiques en pleine mer, tu sais. Ils sont perdus. On les fait? On en fait un? Moustique malade. Essaim de moustique malade. Parce que vraiment, t'as envie d'être empoisonné. Il est chaud, hein. Ouais, non, bon, si tu voulais pas. Petite maladie tropicale. Ah, mais c'est toi qui pilote, tu fais ce que tu veux. Ah, ouais, je vois avec vous quand même avant d'engager un combat, c'est pour ça. Ouais, vas-y, vas-y. Ça vous dit ou pas? Bah, moi, tu tombes sur un truc marrant, genre. Ouais, moi, j'ai un peu peur, mais bon. Ça nous mettrait de l'XP. Oh putain, il y en a 3. Bah, oui, ça va nous mettre de l'XP, oui. On peut partir, hein. Oh, embuscade ici, bravo. Bon, faut pas se louper. Ça fait. Pourquoi y en a qu'un? J'ai fait l'embuscade parce que. Ah ouais, les autres. Bon, un point d'XP, c'est pas rentable. Non. Y a du loot? Même pas. Je crois qu'en fait en bas c'est pas la bonne terre. Non, faudra attendre non, un petit c'est peu. Pas... Ah! Y a un truc 10% de chance de coup critique là. Ça vaut le coup de débarquer puis de prendre, hein. Ça marche. Ouais. Tenez, allez-y. Si on peut débarquer par là. Si, normalement, je crois. C'est qui veut? C'est moi. Bah, moi là. Tu veux du critique, toi, attends, qui a 95 d'AT? Non, il vaut mieux que ce soit Tech. Je suis un chasseur. Vaut mieux que ce soit Tech qui le prenne, vas-y. Ouais. Ah bah. En plus, ça te fait le. J'ai rien dit. Ça me fait non. Quoi? Non. Non, ça l'a pas fait level up. Je remonterai bien dans le navire, moi. Par contre, tu vois, il y a un bateau pirate, là. Ouais. À gauche. Il y a aussi le Halak. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Mer agitée, les vagues déferlent et les fortes houles secouent votre bateau dans tous les sens. Tous les côtés, pardon. Allez, vas-y. 24 points d'XP. GG. Et j'ai pas assez pour l'agro. Oh. Allez, un petit point. J'ai rien. Tu peux faire la concentration. Oh, il y a même un autre bateau en bas. C'est quoi ça? Bateau de marchand. Tiens, c'est marrant ça. Ouais, j'y vais. Ah, ils ont des bons prix. Hein, les fois. C'est demi-tour. À l'attaque, à l'abordage, les amis. Oh, je prends plein de photos souvenirs. Pourquoi il y a 2 points d'interrogation avec? On ne sait pas ce qu'il y a comme add-on. On a le main et puis. Bravo.
Ah, mon dieu. Donc, il y a des vignes. Ouais, c'est... bah, on les poule en premier. Waouh. Le bandit, elle est marrante, elle a, un casque de lion ou c'est ça? Oh, il joue deux fois l'affilée, quoi. Oh, faut les défoncer. Ouais, ouais. Ah, ils vont faire mal. Attends. Moi, déjà, je le mets sous le choc, celui-là. Donc, on prend l'autre. Ensuite, toi, tu peux défoncer l'autre. Critique. Saloperie. Bien joué. Bataille navale, hein. Sympa. Ouais bah. Bon bah écoute ma grande, tout va jouer entre nous. Allez, foulu du bateau critique. Quand même, hein. Banzai. C'est tout. Alors, peut-être que tu changes d'arc toi quand même. Hein, t'as remarqué? Ouais, j'ai un peu remarqué. Donc, dès qu'on en trouve un bien, c'est une priorité, hein, parce que c'est un peu mou tout ça. Peut-être que je vais choper une sarbacane dans la jungle. Oignon. Qui c'est qui a pas de bottes? J'ai des bottes, pas besoin. On a tous des bottes, je crois. Bon, bah, je récupère pour vendre alors. Ouais. Qui a pas de casque? Je vois pas mon inventaire, je peux pas te dire. T'as un truc? Ah oui, j'ai un casque, sûrement, oui. J'ai l'air d'avoir un chapeau, ouais. Ouh, ça c'est bien ça. Ah oui. C'est quoi ça, hein? Écraser cet orbe rayonnant pour désactiver les pièges à proximité. Bah ouais. Bah. Carrément. C'est bien dans les caves. Ah pourquoi il te fait avancer? Non. Dommage. Et non, il faut aller à droite. Ah c'est là. Ouais, c'est automatique. T'as vu, c'est pas l'Alaska, c'est l'Alaka. Moi je vais voir l'autre là. Ah ouais, le marchand évidemment. Alors, baguette de soin. Tiens, intéressant. Y'a pas un arc par hasard? Ça fait soin de groupe. Non, mais il y a l'assommoir. Ah oui, mais non, toi t'es en. Ouais. Tu es en vigilance. Bâton de combat. En vigilance, bâton de combat. Combien c'est quoi, dégâts? C'est à deux mains. C'est à deux mains? Ah. Ouais. Il y a un talisman. Une plume d'argent plus 3 d'esqui. Ça, c'est sympa. Il est cher le bâton? Attends, du coup, est-ce qu'on peut vendre? On peut vendre, hein, si vous pouvez vendre, les gars, si vous voulez. Ah ouais. Alors. J'ai rien à vendre, donc. Bah. Les bottes ici. Je peux pas les vendre. Une plume d'argent, c'est un bijou, pas un collier, hein, la bague. 15, ça fait plus 3 d'esquive. Ça, c'est pas 15 d'or. La babiole, là? Après, la babiole. J'ai rien. Après, il y a des perles usées, plus 1 de résistance, plus 1 de dégâts magiques, plus 1 de concentration max et immunité à la confusion. Pour le reste, il y a rien de très 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 ouf. Ouais, c'est bon. De toute façon, moi, je suis au bout de mon déplacement, donc je m'arrête là. Tu pourras regarder si y a un truc qui t'intéresse. Moi, ça m'intéresse pas. Est-ce que Tech, tu veux considérer? Bah, le bâton à Emile, c'est combien qui coûte et combien de dégâts? Alors, le bâton, c'est... Il vaut 17, c'est sur 3G à 2 mains, 13 de dégâts physiques. Tu auras 4 de vitesse en plus avec 2 d'armure. C'est quand même mieux que ce que j'ai, quoi. T'auras une cible d'éclaboussure, donc c'est une cible. C'est cible. Les 3, c'est ça, hein. Cible unique et. Quoique mon arc pour l'instant c'est 3 d'esquive et dégâts contre vol 20%. Bof, hein, on bouge. On bouge. Et on se casse. Allez, tu peux passer par. Tu fais combien de dégâts physiques, Tac, à toi? Je suis à 10 de dégâts d'attaque. Ouais. Mais j'ai 3 vitesses. Pour. Et combien de jets, toi? 2. Je
pense que ça vaut plus le coup de prendre le bâton. Mais... Ah bon, bah alors, je prends. Ou Weirdo l'achète pour moi, il me le donne après. Tu veux combien de sous, tu disais? Bah, je viens de passer le tour, en fait. Ah bon, bah, écoute... Ah merde, j'ai pas... Si, c'est à moi? Ouais. Allez, on va faire ça. Ça y est, on a les marchandises, le bâton de combat. Allez, on va essayer. Perd en esquive, on gagne en vitesse. Oui, bon. Et on va vendre du bazar. On va vendre... On a un... alignement de planète qui arrive. Et un... Et on n'est pas du tout parti du bon côté. Hein. Non, je sais. Non. Il y a Alaka qu'on peut aller voir s'il faut. Pas de D7 mer, c'est paumé. Hein. Ah, mais il y a des bijoux quand même qui sont pas mal. Les perles usées, c'est quoi? Résistance des gamagites. J'ai perdu mon esquive. Allez. C'est bon. On remonte alors du coup. On remonte, j'ai dit. On pas là. Ouais, allez. Quelle aventure. Je suis sûr qu'on aura pas assez d'un épisode pour arriver aux chutes de la jungle. Mais en avant, Simboul. Le bassin en voûteur. C'est un truc où tu vas là, ça te TP à un autre bassin. Ouais, bah on en avait un près du départ, oui, ok. C'est ça. Ça me permet de voyager entre les îles. Oh, on a un trésor dans la flotte. Trésor. Mmh. Allez, go. On y va ? Ah bah oui, c'est le jeu. Ah bah attends, Simba de les 7 mers. Hein. Après, la chronologie, sinon, on s'en fout. Oh, je m'attendais à un bonus de mouvement. Je suis deg. On va y arriver quand même. Ah, on aura fait 3 allers-retours. Hein. Un étrange coffre flottant dans l'eau en bas au milieu de la mer. Bah, ça fait ça. 24. Ah, oh, c'est cool. C'est que pour moi. Révèle des étés. Partagé, toi. Il n'est pas partagé, non, je te jure. Mode vigilant, je passe. Bah, je suis obligé de le récupérer, c'est moi qui suis sur le coffre. Quelqu'un sera intéressé? J'ai... Un d'armure, 2 de résistance, moins 2 en vigilance, plus 2 en talent, plus 2 en chance. J'ai un d'armure et un de résistance. C'est des chaussures de bouffon, ça ira bien. Ah, weirdo, ok. J'ai également. Ouais, je mettrai... Non, tu peux le mettre en plus, c'est vrai, ça m'intéresse. Je viens de gagner aussi un bijou, moins 2. Quelle deux, horreur ça. Moins 2 en santé, ouais. Imité au poison, malédiction aussi. Bon, on a dit les bottes de bouffon. Comment ça s'appelle? Chaussures élégantes. Tu sais qu'il y avait une carte au trésor. T'avais pas une carte au trésor, toi? Si, t'as une carte au trésor dans ton inventaire. Ah, je peux l'utiliser? Ouais, clique dessus. Et Ah franchement. Vas-y, exceptionnel. Alors, ça sert à rien ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Bon, prends. Violon, tu peux... Ouais. Bah je passe le tour, quelqu'un va descendre. De balade. Ah, oh, Yem. Comment perdre du temps? Mais t'as vu en bas? Quelque chose d'inconnu. Allez on y va. C'est toi qui récupères tout, c'est parti. J'ai garde le pognon. Merci pour ton trésor. Hein. Ah, une panaxe, c'est bien. Ouais, panaxe, ça sèche, je me ferai. Alors attention. Alors, Bouillardo, est-ce que tu préfères ça ou est-ce que tu préfères le... Non, je reste à la dague, j'ai plus de chance avec la vitalité. Hein. Je te pense, tu penses quoi? Il est plus de 3 de vitesse et plus 1 de bonus de mouvement. Mais j'ai pas besoin d'intelligence, je suis con avec ma baguette. T'es déjà au max. Ah, ça aide pas. Hein. Tiens, t'as qu'à rester là où t'es? Oh, mais non. J'allais dire pour l'XP, tu sais, je peux te ramasser en repartant. C'est que bah je veux dire. C'est vrai qu'on a tout compris au jeu. Ah, c'est l'exploration des mers.
vrai qu'on était parti pour aller à la jungle. Ah, t'es pas loin. On est revenu au point de départ. moi, ce que je vais faire, petite méditation, je pense. Hein. Petite auberge, hein. vous me ramasserez. Ouais. Allez, Wardo, fais ta plaise. Alors, ramassage du groupe. Oh, bah dis donc, bravo, parce que... Chemin de portail. Et c'est déterminé par... C'est les portails, hein, ça ouais. Se dépasse vite. Il faut donner ça au mec le plus intelligent du groupe. Baston. Et je suis toujours niveau 1, quoi. Ah, c'est pour ça. Bon, on va y aller, j'ai compris. Moi, j'aurais tourné autour. Oula. Ah, on y va frontal, hein. Oui, bien frontal, là. Je peux faire quoi? Concentration, et là, c'est étourdir. Niveau 2. Tournement sauvage. Ah, ok. C'est pratique, ça. Bah ouais. Ah ouais, c'est vachement pratique. Il m'a égratigné, cet animal. Par contre, je manque vraiment de points de vie par rapport à vous deux. C'est à qui, là? Ah oui, c'est Papal. Avec son attends, bâton de sucette. Attends, je réfléchis deux secondes. Je la mets sous le choc. Doux. Je vais la mouiller. Mais tu fais ce que tu veux. Ouais, je vais la mouiller comme ça, vous lui ferez plus de dégâts. Ah non, c'est gelé qui fait plus de dégâts. Je sais plus. Ouais, si, c'est gelé. L'eau, ça fait un malus de quoi de retard? Ah bah non, bah... C'est bien, allez, ça. Allez, hop. Alors, qui c'est que je fais, celui-là? Bien joué. Allez, on va te finir. Ah merde. Oh putaise. Aïe. Elle a un bon arc, elle, la dame. Go. C'est pas mal l'arme d'Ast, hein. Enfin, le bâton là, dans le scale. Le coup de bâton dans le menton. Ah, c'était assez le placer celui-là, tu le voulais. Voilà, gelé en fait, c'est, il reçoit plus 25% de dégâts. Ouais, en effet, Léon, ça fait un beau critique. Ah, XP. Weirdo niveau 2. Yeah. Un peu de pépette. C'est toi qui l'as fait. Oh, alors, qu'est-ce que j'ai moi à la place? Je gagnerai en résistance. Je perdrai talent et chance, mais je gagnerai 3 d'esquive. Et je perdrai une concentration, ça m'embête. Je passe. Quelqu'un t'intéressé? Non, pas moi. Non. Donc je récupère pour voir. Attends, Weirdo est peut-être, sera peut-être intéressé, lui il a un casque tout pourri je crois. Ouais j'adore, ah, oui, pour bah l'immunité bah. Surtout, ça me fait un de résistance et ah, ouais, un d'armure. Ouais. Regarde j'ai donc. Un d'armure en moins mais bon. Waouh. Pourquoi il est fragile. Ça casse, on s'en ouais, fout. Ouais bah oui. Un jour j'aurai une arme, une vraie. Bien, les allez. Enfants, en avant. Je peux plus. Ok. Attends tous le bonus de mouvement. La jungle, je la vois au loin. Ça, il n'y a eu aucune tentation pour faire demi-tour là. Let's go. Wellpor. Oh. Regardez, un petit sanctuaire oui, là, qui attend. Oui, oui, ah, oui. Il est pour moi. En plus, c'est pile poil ce que tu cherches. Ah oui. La vitesse. Le allez loot, hop, je vais le prendre. Mais t'en as déjà un, toi? Ouais, je sais. C'est pile poil ce que tu cherches. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remonte? Ah bah non, il est à côté. Plus deux de mouvement en plus, oui. L'esquive. Quitter le navire. Tu vas où?
Je sais pas, on va y aller à pince, non? On laisse le bateau là. Tu peux pas aller, tu peux pas, parce que vraiment, il y a rien, je crois. C'est vide, hein, ouais. Ah ouais, c'est vide. Il y a une, case. Il y a une case. Je pensais que c'était. T'as pas moi. Oh, vous êtes trouvé le campement des bandits. Le roi des bandits. Ah, il y a une baston à faire. Ouais, c'est un fléau. Il faut qu'on soit tous ensemble. Ouais, bah ouais, du coup, j'attends. Ils sont niveau 4. Hein. Et regarde, en fait, il est dans la chronologie en haut. Ah oui, bon, on a le temps là. On a le temps. 4, je dis ça. Non, il faut qu'on fasse le repère avant que. On peut y arriver. Avant hein. qu'on y... On... Oui. Moi, je régène. On est niveau 2, il est niveau 4. On va se faire. On va se prendre une. Voilà. D'accord. Ouais, faut qu'on fasse de l'XP là. Mais si, on peut passer par la droite du machin là. On peut taper ce qu'on... Si soit on remonte en bateau, on sera peut-être plus rapide quand même, ouais. Ça trouvé un ancien temple. Oh, bah on va peut-être aller à Pince, hein. Écoute, la jungle est sympa. Et niveau 3, le temple. Ouais, on va... Laisse le campement. Ouais, ça on marche. Ira après. Ça marche, j'arrive. Il faut qu'on se regroupe devant, là. Il est cadenassé, tu crois qu'on a accès? Oui, et il faut aller d'abord à Chapula. On va peut-être y aller en bateau, non? Ah, oh, fuck. Tiens, regarde, attends, je vais faire, ça m'augmente en XP. On est tous dedans? Eh. Non, mais... Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Débrouillez-vous, hein, moi je vous regarde. En plus, il faut le percer. Au cas où tu le rates. GG. Good game. Limite tech, toi t'as meilleur temps de redescendre au bateau, prendre le bateau et remonter. Pourquoi allez, fais-toi d'XP. Niveau 3, il est seul. Fait fort bon. Bon bah écoute, on va essayer hein. Mais enfin 32 pièces. Il m'a tout pris. Ah ouais, et puis là il va se barrer, il faut absolument que tu les tournes. Attends, y'a pas une matière stack, t'as pas du stuff. Waouh. Voilà, maintenant tu lui colles une misère dans la... Voilà. Et là il se barre. Et là il est chi... Et là, il se barre. Ah, chiotte. Et puis non, mais non. Non. 31. J'ai perdu 31. Ça coûte cher. Allez. Chiotte. On relativise, t'avais un coffre-fort à 25 de pièces. Oui, oui. Comme si tu l'avais pas eu. Ah si, tu perds quand même. Oh, bah c'est, oui. C'est vraiment horrible. Alignement des planètes. Dégâts d'attaque maintenant à 107,5%. C'est pas bon. Hein. On va commencer à prendre un peu plus cher. Ouais, mais ça va baisser. Et quand c'est au max, il y a les fléaux qui partout, hein, si je me souviens. Passe par le bois géant. Hein. Bah, on monte tout le nord, hein. Excusez-moi. Ah, on va où? Ah oui, ok. Bah, il faut aller c'était en... à moi, pardon. Il faut aller à Chapula. Ouais, mais si on passe par le bois, ça nous fait trop de déplacements. Ouais, on perd trop. On perd trop. Surtout qu'il y a des trucs inconnus à gauche, tu connais pas Papal. Je suis où? Mais pourquoi tu m'as ramassé? J'ai fait ramassage du groupe pour partir en bateau, j'ai pas le choix. Si. Ah ouais? Let's go. Ah. Ça peut être n'importe quoi. Oui. Et je sais que t'aimes bien le hasard. Oh. Tu peux pas m'en empêcher. Oh, un coffre. Oh, merci bien. Tu disais quoi tout de suite? Qu'est-ce que c'est ça? Hochet. Il va jouer les maracas. C'est pas pour moi. C'est pour Weirdo, ça irait avec ses bottes. Remarque, oui, t'as 80 talent, mais non, il a quand même une plus grosse stat de vitalité. Waouh. Ça aurait pu, mais non. En violon, ah, quand même. Je vous mets là. Je vous ai dit, il faudrait un épisode entier pour arriver à Chapula, c'est pas gagné. Let's go. Wow.
bon, sachant que j'ai j'aurais au moins pu tenter l'embuscade, hein, mais. Je fais plus d'XP. Ouais. Nickel. Waouh, il est trop bien. Je voulais dire, tu peux essayer de les ralentir. Bah, nickel. le serpent. Non, on va faire le forban et on va lui mettre. Voilà, maintenant vous lui ferez plus de dégâts. Alors le serpent se dégage. Serpent. Il a goûté du Wardo. Hein. Tiens. Bah quand on goûte au jambon, on y prend goût. Ah tiens. Et ça va quand même dans les chutes de la jungle. Un très bel arrière-plan. Chapoula, chapoula. Ah, ah. Je suis déçu, il n'y avait pas de. Chimali, doyen du village, bienvenue! Il n'y avait pas de stuff. Il n'y avait que des pièces. Tiens, ça reparlait du poulet géant. Des trafiquants dans le parage. Ok. Donc il faudra aller là-bas. Ça y est, c'est débloqué. Ouais. Bah écoutez, on va s'en approcher, hein. Déjà. Et il y a plein de trucs. Il y a un truc à droite, c'est Texatulan. Texatulan, c'est quoi? Un abri de l'équipement de service. Ah, c'est une cité. C'est excellent. C'est une ville. C'est chouette. Mais je crois que c'est après. Ouais, ouais. Il y a une statue héros en bronze. Ouais. T'as pas besoin, hein, papa. Concentration pleine. Ouh, ça me botte bien, ça. Ah, c'est plus ce weirdo, hein. Il est en retard en XP et en concentration. Ouais, c'est pas faux. Je regardais vite fait ce qu'il y avait. Oh, pour moi, il y a absolument rien. Tac, je vais peut-être prendre barbe de. On en a assez. Bon, pendant qu'elles sont à 18, ah ouais. Racine dorée, ouais. Est-ce que je prendrais pas Moodle et Rudy 32 ou 14, ça va. Ma foi. Comment savoir les bruits de la. De la jungle. J'entends le bruit des vagues pour l'instant. Moi. Il y a du moustique qui est caché d'ailleurs. Attendez, il fallait que je vende ça. C'est quoi ça? Deux visions, deux talents. De... J'aurais dû faire le générique de fin d'épisode, les amis. Le temps que Weirdo fasse ce qu'il veut. Mais regardez, j'ai. Ah merde, il me faut 4. Attendez. Mais non, c'est bon, il me faut. C'est parti. Oui. À toi. Ritech. Ouais, mais j'ai pas les points de mouvement encore. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On descend. On descend là. Oui, on descend là. Ah. Alors, c'est quoi que vous avez vu pour moi? Vous m'avez dit. Bah, je sais plus là. Le héros de bronze à droite. Texatulan. Ouais. Texatulan. Voilà. Non. En dessous de Texatulan. La statue en bronze. T'as pas été à Chapula, toi? Non, il faut que j'y aille. J'ai pas de marché. Sous. J'ai pas de sous. Je me suis fait piller mes 34 pièces d'or. Et là, je fais ramasser le groupe. Vas-y, moi, j'ai plein de trucs. Ah ouais. Eh bah écoutez, dans ce cas-là, vraiment, cette transition, ça va être trop long. De toute façon, on est rendu au bout de l'épisode. Merci à vous, Chapula. On y est, l'exploration. Au prochain épisode, en route pour l'inconnu. Bye bye tout le monde. Salut. Yo, bye bye.